اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Question suivante, question d'une sœur. Cher, je dis souvent à ma fille, lorsqu'elle fait quelque chose de bien, apprentissage du Coran ou autre, qu'Allah est fier d'elle. On m'a fait la remarque que ça ne se disait peut-être pas. Pouvez-vous m'éclairer une fois de l'école? Fada, cher. Non, on ne peut pas dire une phrase pareille parce que, il n'y a pas cette phrase dans la sunna. Non, mon frère, on peut pas dire, on peut dire que, Allah Ta'ala est content de toi. Et encore, en disant il est content de toi, il faut avoir lu sur la table préservée. Donc, j'ai lu sur la table préservée, la tablette préservée, que Allah Ta'ala était content d'elle. Alors, peut-être qu'il y a un empêchement qui empêche qu'il soit ravi d'elle. Donc je dis, pour corriger, je dis à ma fille, je lui dis, Masha Allah, Allah Ta'ala aime ceux qui font comme ça. Masha Allah, par exemple, si elle a donné une aumône, je lui dis, Masha Allah, Allah Ta'ala aime celles qui font l'aumône. Si elle a prié à l'heure, Masha Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala aime celles qui prient à l'heure. Et comme ça. Mais je ne peux pas lui dire que Allah Ta'ala, ta et toi. Parce que je n'ai pas lu sur la tablette préservée. Est-ce que vraiment il l'a aimé et qu'il n'y avait pas, voilà, qu'il n'y avait pas un empêchement qui a empêché? Vous avez compris? Moi, je vois l'apparence, mais je sais pas ce qu'il y a dans les cœurs. Peut-être que, je parle pas de la fille de cette sœur, je parle en général. Peut-être qu'une personne qui prie toute la nuit, si je dis d'elle que Allah Ta'ala est ravi de toi, peut-être que cette personne prie, c'est juste pour, pour se faire connaître, ou là, c'est pas pour Allah, vous avez compris, je sais pas ce qu'elle a dans la tête. Donc moi, je sais pas ce qu'il y a dans les corps. Fier de toi, dans le sens, je suis très heureuse que... Non! C'est, non! Mais quand il dit fier de toi, moi, je comprends le sens qu'il veut dire. Mais le mot fier, on peut pas dire d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah est fier de X. Et de Y. Vous avez compris? C'est ce que je veux dire. Sinon, je comprends moi le sens de ce qu'elle veut dire. Elle veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est ravi d'elle et ceci, cela. Mais moi je parle du mot. Est-ce qu'on peut dire que Allah est fier de moi, Allah est fier de toi et comme ça? Il vaut mieux corriger, inshallah ta'ala, la phrase, Allah ta'ala.